bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi 21 juillet. Donc je vous prends, c'est un petit peu tard. Je vais vous dire l'heure de suite. Alors je vous prends un petit peu tard parce qu'en fait j'ai fait pas mal de choses déjà ce matin. Et la petite s'est réveillée en cours de chemin, ce que je ne m'attendais pas. Enfin moi, elle se réveille beaucoup plus tard parce qu'elle s'est couchée un petit peu tard. Donc là c'est 11h, donc je vais faire la vaisselle. Pour l'instant le bébé est à côté de moi en train de jouer. Donc on verra après la suite des événements. Je pense qu'après je vais faire à manger. Et puis on verra. On se retrouve tout à l'heure. J'ai fait un petit peu de vaisselle, il me reste encore tout ça, hein. Donc il m'en reste encore beaucoup. En fait j'ai fait ces biberons pour pas qu'ils s'abîment et tout ça. J'ai lancé mon repas de ce midi. Et du coup ce soir ça sera pareil. Parce qu'il en restera et que j'ai pas envie de m'embêter à faire à manger. Le programme de cet après-midi. Je vais vous tourner une vidéo sur les indispensables de l'été, ce que je compte emmener pour nos vacances. Donc bébé, elle a dormi un petit peu, enfin elle a joué un petit peu sur son truc. Ensuite elle a dormi, là elle s'est réveillée depuis pas très très longtemps. Donc concrètement cet après-midi c'est... voilà, on va faire la vidéo. Je vais faire des cartons parce qu'il faut que ça avance. Ça fait pas un mois, mais presque. En rentrant de vacances, ça fera un mois que... enfin non, ça fait deux semaines. Ça fera un mois en rentrant de vacances qu'on aura donné notre préavis. Donc il faut vraiment qu'on commence à faire les cartons et qu'on se dépêche parce que ça va arriver très 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 vite. Donc voilà, je vais... en gros détacher toutes les photos qui sont là, celles qui sont là. Je vais je pense pour le moment laisser les cadres ici ou peut-être enlever celui-ci comme il est petit, peut-être qu'il tiendra dans un carton. Je vais aussi enlever toutes les petites figurines que nous avons ici, ça va tout être rangé. En fait concrètement je range ce qu'on n'a pas besoin. Donc voilà vraiment le plus rapide et puis vraiment ce qu'on aura besoin on le rangera au dernier moment quoi, mais bon. Il faut quand même qu'on commence par un bout, donc voilà. Et puis après il faut que je donne le bain de bébé. Je pense qu'elle va pas trop tarder de manger, donc on verra bien. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Revoilà, c'est donc 13h01. Je vais enfin pouvoir manger. Donc changement de programme, cet après-midi je ne monte pas ma vidéo parce que j'ai de la visite en fait, j'ai une copine qui vient avec son chéri et sa meilleure amie et la sœur de sa meilleure amie. Donc du coup voilà, pour voir la puce, puisque du coup on n'avait pas eu l'occasion de se voir avant, puisque c'est vrai qu'on n'habite pas forcément à côté. Donc voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais manger, je vais ranger la table pour quand même pouvoir les recevoir, ça serait pas mal. Je vais remonter le transat puisqu'il est sec. Je vais me préparer et puis je vais les attendre. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ah.
resté 14h26. Donc là, j'ai donné le bain à ma puce, puisque comme son père travaille samedi et dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, voilà, j'ai pas envie de m'embêter ce soir avec ça. Je pense qu'il va vraiment être crevé parce qu'il a pas, enfin, il a eu que mercredi, jeudi de congé, mais bon, voilà, c'est quand même, enfin, il a quand même une grosse semaine. Il attend vivement les vacances là parce qu'il est vraiment fatigué. En plus, elle s'est couchée un petit peu tard. Donc voilà, je voulais pas l'embêter avec ça. Donc là, le bain est fait. Là, je la laisse un petit peu patauger dans son bain. Vous pouvez entendre, elle s'amuse bien. De toute façon, je suis toujours à côté d'elle. Hein. Je la laisse jamais seule, ne vous en faites pas. Donc là, j'attends que elle en ait marre pour la sortir du bain. Et puis après, je pense que du coup, tout le monde va... Je pense que... Bébé ! Je pense que du coup, tout le monde va arriver. Donc une fois que tout le monde sera arrivé, ben, voilà quoi. Bon, je sais pas si je vais bloquer ou si je vlogue, je vais peut-être pas vlogger longtemps quand je pense qu'il sera, parce que bon voilà, mais on verra bien et puis on se retrouve tout à l'heure. Oui voilà, c'est 17h33, donc du coup on a passé un petit moment tous ensemble. Donc là, il y a Noémie qui va changer la couche de bébé. Donc j'ai pas vlogué parce que voilà, ils sont, enfin, on a profité un peu d'être tous ensemble. C'est vrai que Noémie, ça faisait un moment que je l'avais pas vue, et puis du coup ses copains étaient juste super géniaux, donc voilà, on a bien rigolé, on a bien discuté. Donc là on n'a pas du tout, mais pas du tout la motivation de faire à manger en fait. On a juste envie, voilà, de passer un petit peu de temps ensemble et te poser en fait. Donc du coup on va chercher McDo, mais comme il y a toujours l'événement, je pense que ça va être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc on va voir, et après on va rentrer, on va manger. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai donné le bain de la puce cet après-midi, donc on va pas lui donner ce soir. Ce soir on va juste lui donner un biberon avec un petit peu de purée, et on espère qu'elle va pas galérer pour s'endormir comme hier, parce que hier elle a un petit peu galéré pour s'endormir, et en fait on était tellement fatigués du coup qu'on s'est endormi en même temps qu'elle. Après moi je me suis réveillée dans la nuit, donc du coup j'ai été la coucher, je crois bien que c'est toi qui l'as couchée, je me souviens plus. Ouais, c'est moi qui l'ai couchée. Oui, c'est ça. Donc après on s'est rendormi, mais du coup elle a dormi un petit peu avec nous, et honnêtement on était tellement fatigués qu'on s'est vraiment écroulé quoi. Donc je te retrouve tout à l'heure.
avec bébé. Coucou. Donc là, je pense qu'on va pas trop tarder à aller se mettre un petit peu dans le lit au calme avec bébé pour faire le rituel dodo. Moi personnellement, je suis quand même pas mal fatiguée. Papa John aussi. Ça va. Voilà. Bébé, bon, elle va pas se coucher tout de suite, mais elle s'est couchée un petit peu. Enfin, on a eu un peu de mal à l'endormir, donc on va essayer d'entamer le rituel dodo un peu plus tôt pour qu'elle se couche un peu plus tôt et que nous aussi on puisse se coucher un petit peu plus tôt. Voilà. Simplement de la coucher. En fait, elle dormait, mais on allait la coucher au moment où elle s'est remise à pleurer. Elle s'est rendormie. Je l'ai pas touchée ni quoi que ce soit, mais elle s'est à nouveau remise à pleurer. Elle s'est rendormie. Elle s'est remise à pleurer. Du coup, on l'a changée de position. Elle s'est rendormie et du coup là, on a pu aller la coucher. Donc, on vient d'aller la coucher. Voilà. On va enfin pouvoir aller dormir. Je ne sais pas si je vais vlogger demain, je ne sais pas encore, tout dépend de la journée, comment elle sera, je pense qu'elle va être pas trop mal, donc on verra si je vlog. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager, et je vous fais